soirée des aides, les gens l'attendent avec impatience. Et c'est vrai que pendant ces dernières années, on a été absent de la scène artistique et culturelle. Et on a souhaité reprendre, par le biais de cette semaine culturelle des Afriques, une soirée 100% des aides. On a été invité par l'association ISNJ à pouvoir représenter l'Algérie au sein de la communauté montpelliéraine, quelle qu'elle soit, tout simplement pour mettre en avant toutes les valeurs culturelles et de bien vivre ensemble. Ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver des gens de ma communauté, de retrouver les sons, la musique, les vibrations de l'Algérie, de l'Afrique et de toute cette fraternité. Franchement, c'était super. On s'est bien amusé. Il y a eu beaucoup de monde. C'était l'Afrique. C'était l'Afrique. C'était très bien à refaire. La soirée zouine, avec les Arabes qui étaient, on est fraîchés aujourd'hui. Allah ykemmel alayhom el aqban imarja Allah. Tlaqaw sa'at khair inchallah farhana lkom. Kulchi daz ghsal, bel fi, bel garçon. Zouine dawa. Finale du gros son, parce qu'en musique et dans la vie, on aime tous les histoires multiculturelles. Et là, c'est l'histoire d'une tribu franco-algérienne de Montpellier. Des artistes qui distillent un rock, pop, rail, fusion, 100% jazzaïeux, 100% des aides algériens réunis sur guitare. Vous avez aussi remarqué que ça ressemble beaucoup aux bijoux berbères du Maghreb. Là, ça prouve qu'on est une seule entité.